Je sais même pas si vous voyez la fin de la pyramide, tellement il y a de trucs. I'm feeling high. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours maintenant que je suis rentrée de la Réunion et comme vous pouvez le voir, j'ai amassé pas mal de colis en mon absence. Et encore ça, c'est que la première partie, donc pour vous dire que la vidéo va durer longtemps. Pour la plupart des colis, je ne sais plus ou je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc ce sera la surprise. Ça fait 4 jours que je les ai... que je ne filme pas, donc j'en peux plus, j'ai grave envie de les ouvrir. La deuxième partie sera à un autre moment, à un autre jour certainement, mais je ferai un condensé pour mettre dans cette vidéo. On y va, puisque je parle beaucoup trop, c'est parti. Alors, premier colis, c'est ça. Alors, énorme carton pour rien dedans, je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de ne pas m'auto-poignarder. Ce serait dommage. Ok, donc... Je viens de recevoir un produit, ça fait 1000 ans que je l'attends, je ne l'attendais même plus. Alors ce produit, c'est un produit Wonder Coco, vous savez c'est pour les dents. Et en fait ils m'ont contacté pour que j'en parle. Mais j'ai dit que moi, je parce qu'ils veulent une vidéo en fait complètement par rapport à ça. Et j'ai dit, je ne sais pas, en fait faites-moi tester d'abord et si ça marche vraiment, eh bien j'en parlerai. Donc je vais tester tout ça et si ça marche vraiment, vous verrez certainement une vidéo. Waouh. Ok, ouais, bah c'est ça en gros, c'est du charbon, je sais pas. Enfin, pas d'odeur. On verra bien ce que c'est. Ok, ça commence très très bien cette vidéo. J'en ai ras le cul. Ah, super. Oh, je viens de tâcher mon coussin. C'est une grosse blague. Alors, j'ai reçu ensuite des bijoux. Et ça, je les ai déjà ouverts puisque j'avais envie de les porter. Les premiers bijoux viennent de la marque Who We Are, qui sont beaucoup sur Instagram notamment. Et donc c'est ce que je porte aujourd'hui, donc des créoles de taille moyenne qui sont un petit peu torsadées, qui sont vraiment trop trop belles, je les aime trop, je les porte tout le temps. Et un collier comme ça avec un cercle et une paire qui paraît sont super jolies, de très bonne qualité. Au niveau des prix, on est entre 30 et 40 euros à chaque fois environ. Donc première marque de bijoux, j'ai adoré, vraiment top, donc j'adore. Ensuite, de la part de l'Etatillon, j'ai reçu une paire de boucles d'oreilles que je n'ai pas encore portées, mais elles sont tellement belles et elles sont vraiment, mais tellement, tellement canon. Donc, c'est vachement dans mes couleurs puisque j'adore le rose, j'adore le rouge, donc c'est parfait. J'ai trop hâte de pouvoir les porter. Vous mettez ça avec une chemise, enfin, dans tous les cas, la boucle d'oreille, elle habille votre tenue, mais complètement. J'adore les différentes formes mélangées. Voilà, il n'y a rien à dire quoi, elles sont vraiment très très belles. Il y en aura partout à la fin de cette vidéo, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai reçu... Oh putain, mais je vais me chuer tout le temps moi. De la part d'Herborian, j'ai reçu cette petite boîte que je n'ai pas encore ouverte, mais je me suis fait spoiler par le carton d'explication. Donc c'est un soin matifiant visage, effet flouté, bi-méga mat, en mode super héros. Waouh. Franchement, ils se sont fait chier sur le packaging, ça se voit et c'est canon. Je me fais tout le temps avoir par le packaging des marques, donc là ils sont très très forts. Et je suis sûre que le produit je vais l'aimer, rien que par rapport à tout ça. Tu vois, c'est... Tu vois, ouais, tu vois. Bon, c'est bien joli, mais... Ah, je vais peut-être garder ça pour faire un... panier à fruits. Je sais pas. Donc ce produit, c'est un soin matifiant visage effet flouté. Je vous l'ai déjà dit. Matte crème. On va ouvrir vite fait. Ah ok, ça se présente comme ça. J'aime beaucoup Herborian, j'ai déjà testé leur anti-cerne et je l'aime trop, je le mets absolument tout le temps. Donc je pense que ce produit sera un très très bon produit après avoir s'il assèche pas trop la peau. Je vous en redirai des nouvelles. Je vais ouvrir un colis jaune, j'ai envie. Couteau. Il y a toujours des ouvertures faciles, mais si t'es comme moi et que tu finis toujours par arracher tout le carton... mais hashtag tout le carton dans les commentaires. Oh my god, je suis trop contente parce que je vais vous expliquer après. Les marques qui envoient leurs produits avec une petite carte, avec un petit mot, vraiment je vous aime parce que je sais pas, ça crée du contact, j'aime bien. En fait j'étais invitée à un événement sur Paris avec la marque justement Slenderton. J'ai pas pu y aller malheureusement, mais je leur ai demandé s'il était possible quand même de pouvoir tester leurs produits parce que bon, je suis un peu flémarde,
Alors si je peux faire du sport de chez moi avec une ceinture, concrètement, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez déjà essayé ça, si oui, donnez-moi votre avis, mais en tout cas, c'est pas le kiff s'il vous plaît. Voilà comment se présente la boîte, et c'est donc un short d'électrostimulation pour des fesses sculptées. Les gars, vous allez pouvoir m'appeler Kimka. Alors, donc on a une petite télécommande avec un embout comme ça, et je suppose qu'ensuite il y a le short. Voilà. Avec, ils m'ont donné 4 électrodes adhésives qui doivent se mettre donc sur les fesses, sous le dessous des fesses, etc. etc. Très bien, d'accord. On va voir, hein. je testerai tout ça et je vous en redirai des nouvelles. Viens te montrer, mon grand blessé. Regardez sa patte. Bonjour. Demain, on doit aller lui enlever les fils. On continue avec un colis que j'ai aussi ouvert puisque j'ai dû faire une photo avec le polo qu'il y avait dedans, puisque comme vous l'avez lu, c'est Polo Ralph Lauren avec qui je fais une collaboration. J'aurais jamais pensé un jour collaborer avec eux, mais honnêtement je suis très contente de découvrir leurs produits. C'est vrai que moi je le vois plus souvent chez des garçons, mais pourquoi pas chez des filles aussi. Au final, ils m'ont envoyé donc ce polo blanc avec le petit logo Ralph Lauren ici. Forcément, je le trouve sympa, je l'ai pris assez large pour le porter assez loose, parce que les trucs serrants comme ça, j'aime pas. Après, c'est trop strict et c'est pas vraiment mon intention. Donc voilà, très sympathique également. Attendez, on a changé d'heure, il est 16h30 et il commence déjà à faire noir. Moi ça m'irrite, j'en ai trop marre. Bref, on s'en fiche. Allez, alors ça, je crois savoir ce que c'est, et si c'est ça, c'est très très cool, parce que si comme moi vous êtes désorganisé, je pense que ce journal va bien pouvoir vous aider. Et pour une fois, j'ai ouvert le carton comme il se doit. Voilà. Ça sent le livre, ça sent tellement bon. Est-ce qu'ils m'ont mis un petit mot ? Non. Il y a quelque temps, par mail, j'ai été contactée par l'équipe de M3 Journal qui crée donc des journaux. Oui, exact. Pour arrêter de procrastiner et s'organiser dans son quotidien. Et pour les gens qui, comme moi, sont auto-entrepreneurs ou même les étudiants, n'importe, quand on procrastine trop, franchement c'est fatigant, t'avances pas dans ton taf, enfin bref, c'est super chiant. Donc je suis très contente de pouvoir découvrir ce qu'ils ont créé pour ça. Donc ça a rien à voir avec tout ce que vous avez déjà vu normalement. Il y a un petit bouquin avant qui explique, et si vous arrêtiez de tout remettre au lendemain, un outil ludique pour planifier efficacement les journées et atteindre ses objectifs simplement. Donc apparemment, j'ai lu vite fait, avant de pouvoir utiliser son M3 journal, il faut absolument lire le méthode 3. Je vais vous lire le derrière de couverture. Votre temps est ce que vous avez de plus précieux, ne le gâchez plus. La méthode 3 est un programme simple, efficace et ludique grâce auquel vous atteindrez votre premier objectif en seulement 3 mois. Organisez votre vie professionnelle et personnelle, déterminez vos objectifs et préparez un plan d'action. Entourez-vous d'esprits gagnants pour achever vos buts. Dopez votre productivité et travaillez moins pour plus de résultats. Ok, les gars, je suis carrément chaud pour ce truc. Je vais tout lire, je vous en parlerai sur Instagram, très probablement. Et c'est génial. Et donc ensuite, dans le M3 journal, eh bien, il y a jour 3 avec la date, organisation de ma journée, les 3 tâches que je dois absolument accomplir, des notes, des petites phrases juste ici avec des citations qui, je suppose, encouragent. Voilà, plein de trucs, plein de planning, etc. C'est très très cool, j'ai trop hâte. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais alors pas du tout. César, ouvre-toi. Alors apparemment c'est un petit colis de la part de Nice Work. Et je sais pas ce qu'ils m'ont envoyé. Nice Work, c'est une agence de communication, donc je suis très contente de voir ce qu'ils ont pu me concocter. Alors je sais pas si le carton m'est pas destiné ou s'ils se sont juste trompés, mais le message commence par Hello Marine. Alors je crois pas que Marine soit mon deuxième prénom, donc ils se sont trompés. Mais bon, c'est pas grave, l'intention est là quand même. Alors, apparemment, il y a pas mal de petits trucs là-dedans que je ne connais pas du tout, mais que je serais très très contente de découvrir. On a notamment des produits de l'Institut Estéderme. Il y a une eau cellulaire, assure vitalité et qualité de vie à votre peau.
Ce qui est ma foi pas trop mal pour moi en ce moment parce que ma peau est dégueulasse. J'ai l'impression de tout le temps dire ça, mais c'est vrai. Donc j'ai aussi une crème douche, soin nettoyant profond, ça c'est trop trop bien. Un masque gomme clarifiant, c'est parfait, soin exfoliant sans grain. Ok, pourquoi pas. Oh. Ensuite j'ai une base préparatrice de maquillage de chez Laura Mercier et apparemment de ce que j'en ai entendu, elle est dingue. Donc c'est trop trop cool puisque je ne l'avais pas. Voilà la bête. Toujours de chez Laura Mercier, un mascara sculptant extra lâche. Trop trop bien. Yeah. Waouh. Alors le packaging est beaucoup trop beau par contre. Je vais pas l'ouvrir pour vous montrer la brosse puisque j'en ai encore un à finir et j'aimerais bien que celui-ci ne sèche pas avant même que j'ai commencé à le tester. Donc je vais le laisser comme ça, mais en tout cas je suis super contente. Alors en fait de chez Laura Mercier j'ai encore plein d'autres trucs, c'est trop bien. J'ai velours extrême matte lipstick avec une teinte je crois qui est un petit peu, je fais tout tomber, un petit peu violine comme ça. C'est un crayon, ok. Voilà, c'est trop beau. Alors c'est un bleu violet. Il faut que j'essaye, il faut que je teste. Je ne sais pas si j'oserai forcément porter, mais à tester. En tout cas c'est un velours extrême rouge à lèvres mat. Et la texture a l'air vraiment folle. Donc je testerai ça et je vous en redirai des nouvelles. Et on a aussi un couleur yeux en crayon. Et là c'est un doré. Waouh, c'est trop beau. Je pense qu'avec ça je peux clairement faire des folies au niveau du make-up. Trop bien. Ensuite, dans ce colis, je crois savoir, j'ose espérer, que dis-je, je suis presque sûre que c'est du Huda Beauty, non pas parce que c'est écrit, est-ce que c'est écrit, je ne sais pas, ah ben c'est écrit, donc voilà, c'était parce que j'avais lu en fait tout simplement, mais je savais qu'ils allaient m'envoyer des trucs, alors là, je ne rêvais que de ce colis, ah bordel de cul, oh my god, bon alors déjà c'est beaucoup trop beau, et c'est la Huda Beauty 3D Highlighter Palette Bronze Sand Edition. Alors je sais pas s'il y a ça dedans ou autre chose. Je vais ah merde. Donc ce colis c'est principalement pour mettre en avant la 3D Highlighter Palette de chez Huda, qui est absolument dingue. Pour un côté très très glowy je suppose et très bronzé, ça va parfaitement aller avec mon teint. Alors apparemment il y a différentes étapes à suivre pour utiliser les 4 produits en même temps pour le maquillage. J'avais pas compris comme ça mais ok. En tout cas la palette est beaucoup trop belle, ça ne change pas. Huda Beauty fait toujours des packagings de ouf. Et en plus vous voyez un petit peu le côté highlight de la palette, on adore. Donc en fait il y a 3 palettes, 3D highlighter palettes. Voilà. Comme ça et voilà. Voilà les dingueries, alors j'ai trop hâte de le tester, il y a des couleurs là en blush et tout, ça va être ouf. Je suis désolée les gars, mais la vidéo s'arrête ici brusquement puisque j'ai perdu la partie suivante de la vidéo. Je sais pas du tout où elle est, je l'ai cherchée absolument partout. Mais ce que je vous ai pas montré là, je vous l'ai montré de toute façon sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre si c'est pas encore le cas. Vous voyez mon Instagram directement dans l'outro. Sur ce, je vous fais des très 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 gros bisous et on se retrouve de toute façon très bientôt pour un gros haul mode. Donc j'espère que ça va vous plaire. Bisous !